Bonjour à tous, ce nouveau numéro de formation plasturgie est consacré aux techniques de transformation des matériaux composites. Ces procédés de transformation sont nombreux et la gamme très complète des outils de formation Mediaplast vous propose deux modules relatifs aux matériaux composites. Le module 1 traite des techniques suivantes. Moulage au contact, compression basse pression, projection simultanée, compression haute pression, injection basse pression, injection haute pression et enfin coulée et injection de mousse. Le module 2 traite quant à lui des techniques suivantes. Stratification en continu, enroulement filamentaire, pultrusion, centrifugation, enroulement, drapage et enfin usinage. Dans les modules Mediaplast relatifs à la connaissance générale de la plasturgie, vous avez découvert différents procédés, souvenez-vous. Quels sont les principaux thèmes que nous aborderons dans ce film? Tout d'abord, vous découvrirez, au travers d'exemples de produits, les noms des techniques de transformation des matériaux composites traités par ce premier module. Nous définirons ce qu'est un matériau composite et quelles sont les caractéristiques des pièces obtenues. Nous verrons quelles sont les matrices les plus employées et les principaux renforts. Nous étudierons ensuite, au travers d'exemples concrets de produits, les principes des différentes techniques de transformation suivantes. Moulage au contact, projection simultanée, injection basse pression, coulée, compression basse pression, compression haute pression, injection haute pression, coulée ou injection de mousse. Et puis, comme dans chaque module Mediaplast, nous parlerons dans le chapitre qualité des techniques de contrôle des matières premières et des produits finis, et bien sûr des métiers des personnels qui interviennent dans les différentes étapes de vie d'un produit en matériaux composites. Les matériaux composites sont employés dans de nombreux secteurs d'activité pour la réalisation de pièces ou d'ensembles plus ou moins complexes. Regardez. Tout autour de moi, sur ce plateau, vous découvrez des exemples de pièces réalisées en matériaux composites. Ce carter, cette chaise ou ce capot sont réalisés par moulage au contact. Ce panneau a été fabriqué par projection simultanée de fibres et de résine. Quant à ces deux pièces, elles sont moulées par injection basse pression. Cette pièce aéronautique, fabriquée en matériaux composites haute performance, a été moulée par compression basse pression. Autre procédé, ces pièces ont été réalisées par compression haute pression à partir de composites thermodurcissables ou thermoplastiques. Dans ce premier module, on vous parlera aussi d'injection haute pression de matériaux composites, mais également de coulée ou d'injection de mousse. Au travers de ces exemples de produits, je viens de citer les noms de différentes techniques de transformation des composites. Moulage au contact, compression basse pression, projection simultanée, compression haute pression, injection basse pression, injection haute pression, coulée ou injection de mousse. Depuis le début de ce film, j'ai prononcé à plusieurs reprises les termes de composite, thermodurcissable, thermoplastique, résine, renfort. Revenons un instant sur quelques notions essentielles relatives à ces matériaux. Intéressons-nous tout d'abord au terme de composite et voyons ce que nous offre le dictionnaire comme définition. Composite, du latin compositus, formé d'éléments très divers. Toutes ces pièces sont réalisées à partir de différents matériaux, de polymères thermoplastiques et de fibres de verre, de polymères thermodurcissables et de fibres de verre, ou encore de fibres aramides, de carbone ou de bore. Cas particulier, cette pièce pour l'aéronautique est composée d'un tissu en fibre de carbone, imprégné d'une résine thermodurcissable et d'une âme en nid d'abeille. On parle alors de sandwich et de matériaux composites haute performance. Votre formateur reviendra sur les propriétés physiques, chimiques, mécaniques et thermiques spécifiques aux différents types de composites. Exemple de renfort. Verre, carbone, fibre aramide ou de bore. Exemple de matrice, thermodurcissable, polyester, époxyde, phénolique ou polyuréthane. Thermoplastique, polypropylène.
Voici quelques exemples de renforts et de matrices. Ces fibres de verre se présentent sous différentes formes. Mèche, voile de surface, mat composé de fils coupés ou continus, ou encore tissu de verre. Mais il existe aussi d'autres types de renforts composés par exemple de fibres aramides, de fibres de carbone ou d'un mélange des deux. Votre formateur reviendra sur les caractéristiques des renforts en matière de grammage, de mode de tissage et d'encimage, mais aussi sur les différentes techniques de fabrication de ces renforts. Intéressons-nous maintenant aux matrices thermodurcissables, par exemple ces résines de polyester insaturées utilisées avec ou sans charge selon les applications. À l'intérieur de cette résine, on introduit un système durcisseur composé d'un accélérateur et d'un catalyseur. Le système durcisseur doit être dosé très précisément lors de la préparation de la résine avant moulage. Le système durcisseur incorporé dans la résine provoque une réaction chimique. Cette réaction est exothermique. Nous constatons grâce à ce pyromètre que la température du mélange s'élève pendant le durcissement de la résine. Et voilà le résultat après durcissement de la résine par polymérisation. Voici le principe de durcissement d'une résine polyester insaturée par polymérisation d'un monomère de styrène, sous l'action d'un catalyseur et d'un accélérateur. Votre formateur vous donnera des informations complémentaires sur les thermodurcissables en matière de système durcisseur et de réactions chimiques. Les composites thermodurcissables peuvent également se présenter sous forme de renforts pré-imprégnés. Deux exemples. Le SMC, pré-imprégné de fibres de verre et de résine de polyester chargée. Et enfin, des pré-imprégnés à base de tissu de carbone ou d'aramide et de résine époxyde. Ces matériaux sont couramment appelés pré-preg. Autre forme commerciale des matières premières, les compounds sont des mélanges de résine polyester chargée et de fibres de verre coupées. Autre type de matériaux, les composites thermoplastiques du type TRE. Lorsque je soumets cette plaque de TRE à l'action de la chaleur au moyen d'un chalumeau à air chaud, à une température caractéristique du polymère, le matériau composite passe de l'état solide à l'état pâteux, malléable. Après ce rappel des propriétés des matériaux composites, il est temps de nous intéresser aux techniques de transformation traitées par ce premier module. Ce premier module traite donc des techniques de fabrication de pièces aux formes plus ou moins complexes. Au travers de l'étude de ces différents procédés, vous allez découvrir la diversité des installations et des savoir-faire en fonction des produits, des séries, des cadences, des équipements, des moules et outillages et des conditions de transformation des pièces en matériaux composites. Deux procédés, le moulage au contact et la projection simultanée de fibres et de résine. Ces pièces sont réalisées par moulage au contact de renforts de fibres de verre sous forme de mat ou de tissu imprégné de résine polyester. Cette coque de bateau est réalisée par moulage au contact. Lors du moulage au contact, l'opérateur dépose sur le moule des couches successives de renforts et les imprègne de résine polyester. On parle couramment de stratification. Cette pièce industrielle pour le secteur du transport est également moulée au contact. Elle est réalisée à partir de mats de fibres de verre et de tissus de fibres de verre, appelés roving, imprégnés de résine polyester avant dépose dans le moule. De par les formes de la pièce, le moule comporte deux parties, un moule et un contre-moule. Notons qu'il faut environ 5 heures pour mouler cette pièce. Après polymérisation, pour permettre le démoulage de la pièce, les opérateurs séparent les deux parties du moule au moyen de coins en bois et de jets en cuivre. Dans le cas de cette fabrication de moyenne série, le moule est réalisé, comme la pièce, par moulage au contact de fibres de verre imprégnées de résine de polyester. Voici le principe de base du moulage au contact. Dépose de l'agent démoulant sur le moule. D'une résine de surface appelée gel coat,
de renfort de verre, puis d'une résine. Après imprégnation des fibres, durcissement de la résine et démoulage de la pièce. Analysons ensemble les principales étapes de la fabrication de pièces par moulage au contact. Préparation du moule en aluminium, nettoyage, application de l'agent démoulant sous forme de cire, lustrage du moule, projection sur le moule de la résine de surface appelée gel coat, après séchage du gel coat, application de la résine sur le moule, induction des renforts prédécoupés aux formes du moule, puis moulage au contact par application successive de couches de renforts, mouillage des fibres au moyen d'un pinceau et ébullage au rouleau. Après durcissement de la résine, démoulage de la pièce au moyen d'un jet d'air comprimé. Ce stratifieur réalise le moulage d'un support de bouteille de plongée dans un moule négatif qui comporte deux parties, un moule et un contre-moule. Observez. Voilà la pièce finie. Notons que son aspect extérieur est donné par le gel coat déposé sur la surface du moule avant moulage. Autre procédé, ces pièces sont réalisées sur des moules en matériaux composites ou en tôle par projection simultanée de fibres de verre coupées et de résine polyester insaturée. Dépoussiérage du moule métallique au moyen d'un jet d'air comprimé, puis nettoyage au chlorure de méthylène. Application de l'agent démoulant, puis dépose d'un gel coat au rouleau. Projection de fibres de verre coupées et de résine polyester sur le moule et simultanément imprégnation des fibres au moyen d'un rouleau de nylon et ébullage au moyen d'un rouleau ébulleur métallique. Après polymérisation de la résine et détourage de la pièce, démoulage par air comprimé de cette toiture de cuve d'une masse voisine de 60 kg. Voici la machine de projection. La résine de polyester accélérée. Les bobines de roving et les mèches de fibres de verre qui alimentent le pistolet. Ce dernier assure la découpe des fibres et la projection de la résine, accélérée et catalysée, sur le moule. Autre exemple d'application, ce cône de 220 kg est réalisé par moulage au contact et par projection simultanée. Il est constitué de 30% de fibres de verre et 70% de résine. Observez. Notons que pour les petites et moyennes séries, les moules sont eux aussi réalisés à partir de matériaux composites. Voici le principe de fabrication d'un moule en polyester fibre de verre. Ce moule est réalisé à partir d'un modèle en bois qui reproduit parfaitement les formes de la pièce à réaliser. Première étape de la fabrication de ce moule positif, l'application d'un agent démoulant sur le modèle en bois. Puis, application d'une résine de surface. Fabrication du moule par moulage au contact, par application successive et imprégnation de différentes couches de renfort, voile de surface, mat et tissu de verre. Après durcissement de la résine polyester, démoulage de l'empreinte du moule en matériau composite à partir duquel on fabrique ensuite par moulage au contact la pièce finale en matériau composite. Pièce qui a des formes et des dimensions liées à celle du modèle en bois. Notons que la qualité de l'état de surface du moule conditionne directement l'état de surface finale de la pièce moulée. En conséquence, avant chaque campagne de moulage, les moules font l'objet d'une préparation particulière. Nettoyage de l'empreinte afin de supprimer tous les dépôts.
séchage, lustrage à la pâte à polir et au rouleau, puis induction d'un agent démoulant sous forme de cire. Et enfin, lustrage de la surface de l'empreinte sur laquelle on appliquera le gel coat. Et voici la pièce que l'on obtient avec ce moule. Une caractéristique importante des pièces moulées au contact ou par projection, elles présentent systématiquement une face lisse et une face qui laisse apparaître les fibres de verre. Autre procédé, les techniques d'injection basse pression, de compression basse pression ou encore de coulée. Cette installation permet l'injection basse pression de capots en polyester fibre de verre. Découpe des renforts aux formes de l'empreinte et positionnement des différentes couches appelées strates dans le moule. Fermeture et verrouillage du moule par vissage. Préparation du pistolet mélangeur qui assure le mélange résine accélérée, résine catalysée et l'injection basse pression. Injection de la résine polyester incolore dans l'empreinte du moule à une pression de 1 à 3 bars. Après un temps de polymérisation d'environ 30 minutes, lorsque le moule est en température, démoulage de la pièce. Notons que ce procédé porte également le nom de RTM en anglais, Resin Transfer Molding. La technique très particulière de fabrication des moules vous sera décrite par votre formateur dans le complément d'information du module. Autre technique de moulage par basse pression, le moulage à la poche, appelé également moulage au sac ou à la vessie. Dans ce cas, l'imprégnation des fibres par la résine est obtenue par pression directe de la membrane sur la résine. Notons que le mouillage des fibres peut également se faire par l'action du vide. Observez. Votre formateur reviendra sur ces procédés très particuliers. Pour terminer cette séquence, notons que les pièces moulées par contact, projection ou injection basse pression, ne sortent pas finies des moules. En effet, elles sont systématiquement usinées, fraisées, découpées, détourées et ébavurées après moulage. Ces opérations de reprise sont indispensables à l'obtention du produit fini. De plus, les stratifieurs livrent des pièces et ensembles équipés de différents accessoires. Ici, par exemple, le montage d'une grille métallique sur une pièce moulée par contact. Cette grille est collée au moyen d'un mastic polyester, puis rhabillée par un renfort de verre imprégné de résine. Avant expédition, les pièces moulées sont contrôlées et retouchées unitairement. Nous assistons à la réparation d'une pièce abîmée.
meulage de la zone écaillée, préparation d'un mastic polyester pigmenté à la teinte de la pièce, puis bouchage, application d'un film thermoplastique, séchage du mastic et finition de la retouche au moyen d'un papier abrasif à l'eau. Dernière phase, le lustrage de l'ensemble fini. Ce procédé comporte principalement deux techniques, le moulage à froid, appelé voie humide, qui permet par exemple de fabriquer ce plateau, et le moulage à chaud, qui permet de fabriquer cette pièce. Voici le principe du moulage à froid. Après positionnement du mat de verre sur l'empreinte inférieure, appelée poinçon, et de la résine polyester, accélérée et catalysée, fermeture de la presse et imprégnation des renforts sous l'effet de la pression. Après polymérisation de la résine, ouverture du moule en acier et démoulage de la pièce. Ces pièces, très techniques pour l'aéronautique, sont moulées à chaud par compression basse pression sur une presse. Elles sont réalisées à partir de pré-imprégnés de fibres aramides et de résine époxyde. Première phase, la préfabrication. Découpage du prépreg au cutter et à l'emporte-pièce. Suppression du film de protection. Préparation des différents matériaux qui formeront cette pièce composite. Mise en place de cette préparation, appelée montage, dans le moule. Fermeture de la presse, compression à une pression inférieure à 10 bars et cuisson à une température voisine de 140 degrés. Après durcissement du pré-imprégné pendant 3 quarts d'heure, ouverture du moule, puis éjection et démoulage de la pièce. Cette autre pièce pour l'aéronautique est composée d'un sandwich de pré-imprégné et d'une âme en nid d'abeille. Mise en place dans le moule régulé à 40 degrés des différentes couches de matériaux qui composent le sandwich. Pré-imprégné de fibres aramides et de résine époxyde, nid d'abeille et résine de densification. Puis, fermeture du moule, compression de la matière à 8 ou 9 bars et cuisson de la pièce pendant 3 à 4 heures à 130 degrés. Ces lavabos massifs à base de résine polyester chargée sont moulés par coulée dans un moule en résine. Votre formateur évoquera les différentes techniques de coulée des composites. Toutes ces pièces sont transformées par haute pression. Les principales techniques sont le moulage par compression des SMC, TRE et BMC. Et puis nous évoquerons aussi le moulage par injection haute pression des BMC. Première technique de transformation par haute pression, le moulage par compression des TRE, thermoplastique renforcé estampable. Lors de la compression, sous l'action de la chaleur et de la pression, le matériau flue et épouse les formes de l'empreinte du moule. Après refroidissement de la pièce, ouverture du moule et démoulage. Découvrons ce procédé au travers d'une installation industrielle. Première phase du process, les plaques de polypropylène et fibres de verre sont ramollies dans un four à gaz. À la sortie du four, les plaques de TRE, ramollies, sont déposées dans l'empreinte du moule en acier. Fermeture de la presse de 1000 tonnes, compression de la matière à une pression supérieure à 100 bars.
Après refroidissement du composite thermoplastique au contact du moule régulé à 40-50 degrés, ouverture de la presse et démoulage de cette pièce automobile. Notons que ce procédé est adapté à la fabrication de grandes séries de pièces avec des cadences de 45 à 60 pièces à l'heure. Ce capot de radiateur est réalisé par moulage par compression haute pression de SMC. Ce pré-imprégné se présente sous forme de rouleau. Découpage et pesée des plaques de SMC. Dépose des flancs dans les deux empreintes inférieures du moule. Compression à la température de 160 degrés et à la pression de 100 bars. Après cuisson, démoulage des pièces, puis ébavurage. Autre exemple de produit, cette pièce automobile est moulée par compression sur une presse de 2000 tonnes. Notons que les empreintes des moules en acier sont chromées afin de résister à l'abrasion du verre et de faciliter le démoulage des pièces. Autre exemple, une pièce de carrosserie en SMC, moulée en grande série sur une presse de 800 tonnes. Pour terminer, cet enjoliveur de roues de métro est également moulé par compression haute pression. Revoyons le principe de ce procédé. Sous l'action de la pression et de la chaleur, le SMC se ramollit. Il flue et épouse les formes de l'empreinte. Après cuisson, démoulage de la pièce. Ce compound de polyester fibre de verre, appelé communément choucroute dans les ateliers de production, est moulé par compression ou compression transfert. Compression du BMC à plus de 100 bars dans l'empreinte du moule chauffé à la température de 150 degrés. Après cuisson de la pièce, ouverture du moule et démoulage. Cette pièce électrique est obtenue par compression transfert par le bas. Dosage du compound par pesée. Chargement de la chambre de transfert. Fermeture et verrouillage du moule, puis transfert du composite dans les deux empreintes du moule, cuisson et démoulage. Notons que les compounds sont également moulés par injection. Il existe un module médiaplast spécifique à cette technique. Pour terminer le moulage haute pression, une remarque. Il est possible de mouler par compression à chaud des pièces en matériaux composites à partir d'un mat de verre et d'une résine de polyester catalysée. Les renforts de fibres de verre peuvent également être imprégnés de mousse polyuréthane par coulée ou par injection. Ces pièces militaires sont obtenues par coulée et moussage de polyuréthane sur un mat à fil continu. Projection d'un agent démoulant sur le moule en résine. Dépose du renfort dans l'empreinte du moule. Coulée de la résine après mélange haute pression des composants. Fermeture du moule,
et imprégnation des fibres de verre par moussage du polyuréthane à une pression voisine de 3 bars. Voici la réaction de moussage du polyuréthane. Après durcissement du polyuréthane, au bout de 10 minutes, ouverture du moule, démoulage, puis ébarbage de la pièce. Notons que le polyuréthane peut également être injecté dans le moule. On parle couramment du procédé RIM, R-I-M. En anglais, Reaction Injection Molding. Les pièces en matériaux composites doivent leur performance chimique, thermique, mécanique ou encore leur résistance au feu ou à la corrosion aux propriétés spécifiques des résines et des renforts qui les constituent. Au stade du développement et de la fabrication, les contrôles qualité sont nombreux. Les laboratoires d'essai des fabricants de renforts ou de résines contrôlent la résistance mécanique et donc la cohésion des renforts de verre, encimage et résine. Le microscope électronique à balayage permet d'avoir une vision microscopique de la répartition des fibres et de leur liaison avec le polymère. Chez les transformateurs, en dehors des contrôles de fabrication et de l'autocontrôle réalisés par chaque stratifieur ou opérateur, les laboratoires qualité jouent un rôle important dans les phases de développement, d'industrialisation ou encore de contrôle série. Par exemple, contrôle ultrason de la présence de porosité, d'inclusion de corps étrangers ou encore de la présence de défauts de délaminage dans une pièce composite. Pour terminer, en dehors des mesures effectuées au stade de la fabrication, des contrôles dimensionnels très pointus sont réalisés en métrologie au moyen de bancs de contrôle tridimensionnels. Mouleurs, stratifieurs, techniciens, régleurs, conducteurs de ligne, opérateurs, agents qualité, les métiers relatifs à la transformation des composites sont nombreux et font appel à des savoir-faire précis et pointus. Revoyons ensemble ces différents métiers. Voilà, ce film est terminé. Il est le fil conducteur qui va vous servir tout au long de votre formation. J'espère qu'il vous a intéressé. Votre formateur est là pour répondre à toutes vos questions sur ces technologies. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le module numéro 2 de Mediaplast consacré aux composites. D'ici là, je vous souhaite un excellent travail à tous.